Hey, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci de commenter, dire qui est là, ce serait vraiment sympa. Bienvenue dans ce troisième Facebook Live sur les trois étapes pour incarner sa lumière. Je suis très contente d'être là, très contente du sujet aussi, parce que ça fait plusieurs semaines que je réfléchis beaucoup par rapport à mon travail. Et c'est vraiment ces trois mots qui reviennent très souvent, incarner sa lumière, incarner sa lumière. Et voilà, je suis très contente d'en parler ce soir. Donc pourquoi incarner sa lumière? Pourquoi je me suis commencé à me poser des questions? Donc comme dans tout travail, eh bien arrivé à un moment donné. Contente que tu sois là, Séverine, coucou. Bien, la question c'est surtout pourquoi je fais ce que je fais. Ça, c'est des questions à se poser régulièrement dans la vie de tous les jours, mais aussi dans son travail. Et voilà, donc je me suis posé beaucoup ces questions ces dernières semaines, pourquoi je fais ce que je fais. Et il y avait voilà ces trois mots, incarner sa lumière qui revenaient. Et je me suis dit, ah d'accord, bah, c'est très bien de vouloir accompagner les gens. Bonjour Sarah, coucou. Super, je suis très contente. Et voilà, pourquoi incarner sa lumière? Qu'est-ce que je peux dire sur ce sujet? Et puis pourquoi je peux parler sur ce sujet? En quoi je suis légitime? En quoi je suis la bonne personne? Et puis quelles expériences j'ai pu faire pour traverser les difficultés pour incarner sa lumière dans la vie. Et puis bien, je suis remontée très simplement, voilà, ces 4 dernières années par rapport au blogging, par rapport à ce super métier, voilà, qui me fait vibrer et qui demande aussi beaucoup de courage, voilà, de poser des actions. Coucou Déborah. Alors j'ai un problème sur ce Facebook Live, c'est que les commentaires sont comme ça. Mais bon, je me débrouille, ça va très bien se passer. Il faudra que je voie pour revoir un peu le matériel, tout ça, parce que ça, c'est pas très pratique. Et voilà, donc je ne sais plus où j'en étais. Oui, je disais, voilà, donc ne serait-ce que mon travail de ces 4 dernières années qui me permet, voilà, d'incarner ma lumière au quotidien, voilà, ça me donne envie de me lever chaque matin. Et puis après, je suis allée plus loin aussi, je me suis dit, bon, quelle autre expérience j'ai pu faire pour me faire parler de ce sujet. Et puis, bah, je suis remontée, bah, toutes mes reconversions aussi professionnelles parce que j'ai toujours rechercher en tout cas dans mon travail absolument à prendre ma place, à trouver ce qui me faisait vibrer et à faire ce qui me faisait vibrer, à me donner ce droit-là. Et puis après, je suis allée très très loin et c'est notamment ce que je disais, c'est que je voulais partager la première fois où j'ai compris que je voulais incarner ma lumière. Alors bien sûr, je n'avais pas du tout le vocabulaire, je n'avais pas du tout les connaissances d'aujourd'hui, mais en fait, ça m'arrivait au collège quand j'étais en troisième. Alors, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième trimestre, mais il y a ma mère qui rentre dans ma chambre et elle me dit « Oui, j'ai parlé avec ton professeur de français, ton professeur principal, et elle m'a dit « Tu n'as pas le niveau pour aller au lycée général, donc bah, tu peux faire un CAP de comptabilité. » Et je m'en souviendrai toujours, je me suis dit « Mais attends, bien, en fait, je fais ce que je veux déjà. » Enfin, je ne comprenais pas, j'avais pas les mots, mais déjà, en fait, à ce moment-là, et bien en fait j'avais envie dans mon travail, dans ma vie, de faire ce qui me faisait vibrer. Et c'est quand même complètement fou. Et d'ailleurs je suis très heureuse aujourd'hui d'en arriver là parce que depuis bah, du coup 33 ans maintenant, bah non du coup comme j'avais 14 ans, donc ça fait 19 ans quand même, que j'ai toujours pensé que c'était l'un de mes premiers traumatismes dans la vie, c'est quand ma mère rentre dans ma chambre et elle me dit non, tu n'iras pas au lycée général, t'as pas le niveau, et donc tu feras un CAP comptabilité. Alors que ça ne me plaisait pas du tout, je ne voulais pas faire ça. D'ailleurs, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais que je ne voulais pas faire ça. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, je me rends compte que ce que je croyais être un traumatisme, en fait, c'était un premier pas vers ce qui allait guider toute ma vie, trouver ma place, trouver ce qui me faisait vibrer, et puis ben, incarner cette chose-là dans ma vie, lui donner quelque chose de matériel, voilà, de vraies actions imposées au quotidien. Donc je suis très, très heureuse de m'être rendue compte de ça. Et d'ailleurs, bah, je t'invite, si toi aussi, par exemple, tu as des petites choses, tu te dis, oh là là, à ce moment-là, ça a été une vraie épreuve, ça a été un traumatisme, entre guillemets, et peut-être de voir si ce n'est pas un premier pas vers quelque chose qui t'a fait grandir, vers plus de lumière ou quelque chose. Je ne sais pas si ça résonne en toi. Ah, vous me voyez de côté. Je n'avais pas vu, merci Déborah. Attends, je vais peut-être en faisant comme ça. Et si je fais ça, c'est quand même fou cette histoire. Retournez votre portable. Alors sinon, ben voilà. Là, j'imagine que c'est mieux parce que moi, je vous vois à l'endroit, donc vous devez me voir à l'endroit normalement. Dites-moi.
C'est quand même fou, ça. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire si on me voit à l'endroit, s'il vous plaît. Un petit oui. Oui, merci Déborah, super. Bah, du coup, j'espère que ça vous a pas dérangé sur ce que je vous ai dit. Donc, je ne sais pas si ça résonne en vous, ce qui s'est passé par rapport à. Si, vous aussi, ça vous est déjà arrivé de voir des personnes de votre entourage d'essayer de. Bonjour Séverine. Oui, bah oui, je comprends. J'avais pas vu, désolée, bah oui. Et moi, je parlais, en plus, je voyais rien. C'est rigolo. Et voyez, si, vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'entendre des personnes de votre entourage essayer de vous mettre à. Coucou Stéphanie. Oui, bah oui, c'est mieux, oui. S'ils ont essayé aussi de vous mettre dans des cases et que vous avez réussi à dire bah non, c'est pas ça que je veux faire, est-ce que ça vous a touché? Est-ce que oui, c'est des choses qui vous arrivent peut-être même au quotidien encore? Est-ce que vous avez l'impression de pouvoir vraiment trouver votre place, faire ce qui vous fait vibrer? Coucou Audrey, contente que tu sois là. Oui, bah, je suis contente que ce soit mieux pour tout le monde. Je vous comprends. Et voilà, je voulais savoir si ça résonnait en vous, cette histoire. Coucou Isa. Ah bah je suis très contente que tu sois là, super. Eh oui, ah oui, très contente. Ah oui, très très contente. Et voilà, donc c'était la première fois où j'ai vraiment dit non, je ne veux pas rentrer dans une case que je n'ai pas choisie. Non, merci. Et donc tout ça, voilà, aujourd'hui, je me rends compte que bah, ce premier pas m'a amené à faire d'autres pas. Et notamment, ben, après mes études, j'ai mis beaucoup de temps aussi à trouver ce que je voulais faire. Voilà, j'ai commencé ce blog à mes 29 ans. Et avant, c'est pas que je n'avais pas ce que je voulais faire, mais c'est que j'ai continué à creuser, à approfondir. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans que j'ai ce blog du bonheur et des livres, que j'aide les gens sur la thématique du bonheur, le développement personnel. C'est quelque chose qui me passionne. Mais même encore aujourd'hui, eh bien, j'ai envie d'aller encore plus loin, d'approfondir les choses. Et c'est totalement normal. Je ne sais pas si ça résonne aussi en vous, cette envie d'aller toujours un petit peu plus loin, de aussi aller plus loin, pas forcément dans les connaissances ou les compétences, mais aller plus loin dans sa joie. Qu'est-ce qui aujourd'hui me ferait vibrer davantage? Qu'est-ce qui me donnerait encore plus envie de me lever le matin? Donc je ne sais pas si c'est des choses qui résonnent aussi en vous. Donc voilà, mais bon, si vous êtes là, à mon avis, le thème Incarner sa lumière vous intéresse. Donc je pense qu'on en est au même point tous. Et c'est pourquoi voilà, j'avais envie de vous partager bien les trois étapes pour incarner sa lumière au quotidien dans sa vie. Donc pour moi, incarner sa lumière, ça parle beaucoup du travail. C'est parce que le travail, c'est quand même quelque chose qu'on fait bah, le plus au quotidien. Voilà, on passe des heures et des heures. Et surtout, le travail, ça nous permet de poser aussi des actions. Et voilà, des actions concrètes. Après, incarner sa lumière, ça peut aussi se transposer dans des passions au quotidien, mais c'est vrai que comme on n'a pas souvent le temps d'explorer à fond ses passions, eh bien, incarner sa lumière, c'est la question en fait, c'est comment faire de ma passion mon travail finalement, comment vivre de sa passion. Ça, je ne sais pas aussi si ça résonne en vous, ce thème-là. Et donc voilà, donc j'ai imaginé trois étapes pour essayer d'incarner au mieux sa lumière. Donc on va parler donc de la première étape qui, on ne parle pas encore de travail, voilà, on va vraiment se libérer de l'enjeu dans un premier temps, parce que la première étape, c'est déjà de trouver ce qui nous fait vibrer, parce qu'on ne peut pas incarner notre lumière si on ne sait pas ce qui se trouve ici, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en joie. Et c'est vrai qu'au quotidien, déjà, on n'est pas vraiment invité à faire ce qui nous met en joie, et même à aller explorer ce qui nous met en joie. Hein, moi je sais que très longtemps dans ma vie, on m'a dit tu t'estimeras heureuse d'avoir un travail, mais après, on m'a pas dit d'aller explorer mes passions, d'aller encore plus loin, de faire ce que j'aime, ne serait-ce que dans mon temps personnel. Donc, c'est vrai que ce qui nous fait vibrer, c'est pas des choses qu'on est invité à faire. Oui, Déborah? Alors, attends, il faut que je clique là-dessus. Oui, c'est tout à fait normal. Donc Déborah dit oui, qu'elle est toujours en recherche de ce qu'elle veut faire. Et ce qui est important aussi, que je n'ai pas dit, mais incarner sa lumière, il faut comprendre que c'est un chemin. C'est-à-dire qu'on n'incarne pas sa lumière seulement quand on est arrivé enfin à faire ce qu'on a envie de faire. Quand on vit enfin, par exemple, de sa passion, incarner sa lumière, c'est vraiment un chemin. C'est-à-dire que dès lors qu'on fait un premier pas, on incarne déjà notre lumière.
C'est quelque chose qui rayonne, et ne serait-ce que de savoir qu'on est en chemin, c'est déjà merveilleux. Donc Déborah, même si tu sais pas, tu n'as pas les mots, le projet concret de ce que tu veux faire, tu es déjà dans la réflexion. Donc tu as déjà fait ce premier pas. Tu t'autorises déjà à réfléchir à ce que tu as envie de faire, et donc tu es déjà en chemin et tu rayonnes déjà en fait. Donc c'est pour ça, il faut aussi se libérer de l'enjeu, hein. C'est très important de ne pas se dire, voilà, moi je serai en joie seulement quand j'aurai trouvé et que j'incarnerai ma lumière. C'est vraiment comprendre que c'est un chemin. C'est-à-dire que la joie, elle est au quotidien, elle est très simple, et il faut comprendre que il n'y a pas de ligne arrivée en fait. C'est pas parce que on atteint un objectif que on est arrivé déjà, et puis on peut être heureux bien avant et se mettre en joie bien avant. Donc d'ailleurs, ça va beaucoup t'aider, la première étape. Donc c'est déjà trouver ce que tu dis, c'est trouver pas forcément ce qu'on veut faire, mais déjà ce qui nous fait vibrer. Parce qu'on va partir de là, ce qui nous fait vibrer. Donc déjà, pour trouver un petit peu ce qui nous fait vibrer, c'est juste se poser quelques questions dans la curiosité, dans la bienveillance, sans se mettre la pression. En fait, c'est vraiment beaucoup de curiosité, plutôt revenir un peu comme on était en enfance, très très curieux. Et on va partir par exemple de nos qualités, partir de ce qu'on aime faire, des choses très simples, des choses très concrètes. Et puis, moi j'avais envie qu'on voit ensemble un exercice qui me parle beaucoup, parce qu'il nous autorise énormément. Il nous autorise à rêver à un monde idéal. Donc, admettons, on se libère totalement de l'enjeu. On ne parle pas de travail, on ne parle même pas de la vie de tous les jours. Imaginons que on ne soit là que comme si on était à l'école. Voilà, on n'est plus des adultes, on n'a plus de responsabilités, on n'a personne à charge, pas de loyer à payer, on n'a rien, mais on n'a pas non plus de parents et de professeurs qui nous disent ce qu'on a à faire et comment le faire. Et donc on s'imagine donc à cette école-là, idéale, et on va imaginer les matières et les activités qu'on aimerait faire. Si vraiment on n'a plus rien à faire, juste à faire des choses qui nous plaisent, qui nous font vibrer, et qu'on n'a pas envie de transformer tout de suite en travail qui peut nous faire peur, à pas forcément même d'action concrète, juste à vivre le moment, juste à vivre la joie, qu'est-ce que je mettrais dans mon emploi du temps? Quelles matières, quelles activités me feraient vibrer de joie? Voilà, comme à un enfant où on n'a rien à faire, rien à prouver, rien à justifier, et il n'y a personne pour nous dire aussi si ce qu'on fait c'est bien, si ce qu'on fait c'est mal. Parce que souvent, quand on était enfant, on nous disait, bon, au début, on nous disait, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Mais bien vite, quand on répondait, les adultes ricanaient un peu en disant, ouais, il ne faut pas trop rêver, hein, tu seras heureux déjà quand tu auras un travail, donc va pas trop loin, rêve pas trop fort. Donc Isa, tu me disais, oui, je sais, oui. C'est vraiment génial, Isa, c'est merveilleux. Donc, tu incarnes ta lumière, c'est vraiment génial, tu as envie de te lever le matin, ça te donne du sens, tu te sens utile aussi. T'as l'impression d'avoir trouvé ta place, et c'est exactement ça, incarner sa lumière, c'est vraiment génial. Audrey, alors, décidément, voilà. Ouais, mais c'est vraiment génial. Mais ça ne m'empêche pas d'un. Voilà, ce que dit Audrey, c'est que tu incarnes ta lumière, mais ça t'empêche pas aussi de t'interroger, de. Pas forcément de vouloir aller plus loin, plus haut, mais juste aller contacter cette joie et dire, bon, est-ce que je peux pas aussi l'utiliser autrement ou faire autre chose? Et c'est vraiment ben, là aussi où j'en suis aujourd'hui dans mon travail, c'est-à-dire voilà, c'est 4 années de bonheur total, 4 années aussi de fierté où je me dis, ça y est, je vis de ma passion, c'est génial, j'ai réussi cela, je suis trop heureuse, je vibre de joie. Mais il y a toujours cette petite question qui arrive, qui dit, bon, maintenant, est-ce que tu ne voudrais pas aller plus loin dans ta joie? Comment aller la contacter encore plus et la vibrer encore plus c'est vrai. Et aussi aider un peu plus, aussi accompagner plus. Et je crois même qu'on pourrait utiliser le mot comment encore plus prendre ma place. Comment pas prendre plus de place, mais comment encore plus prendre ma place. Comment encore mieux m'incarner. Comment encore donner plus de sens à ce que je fais et puis et approfondir le pourquoi je fais ce que je fais. Et une fois qu'on approfondit cette question, eh bien on gagne en rayonnement aussi. Et ça, c'est très important aussi de toujours rayonner, de toujours un peu plus. C'est hyper important.
Donc, je ne sais pas si cette première étape, ça vous a parlé, si ça a résonné, cet exercice d'école. Est-ce que ça va vous permettre, voilà, de trouver un peu plus ce qui vous fait vibrer? Voilà, si vous aviez rien à faire, rien à prouver, sans personne pour vous dire si ce que vous faites, ça a un sens, si ce n'est pas utile, s'il ne faut pas rêver dans la vie, s'il faut être sérieux. Voilà, quelles matières, quelles activités vous aimeriez mettre dans votre emploi du temps? Est-ce que ce serait par exemple du jardinage, de l'astrologie? Est-ce que ce serait de la mécanique, de la physique? Voilà, ça peut être tout. Qu'est-ce que vous voudriez faire juste pour vibrer de joie? Qu'est-ce que vous voudriez apprendre aussi? Mais sans enjeu, sans rien, juste être là, vibrer de joie, sans rien. Ah, moi, je suis contente d'abord. Moi, je sais que cet exercice m'a vraiment beaucoup aidée. Je l'ai adoré. Donc passons maintenant à la deuxième étape pour incarner sa lumière. Et bien maintenant qu'on commence, parce que aussi je veux vraiment bien répéter ça, incarner sa lumière, c'est pas quand on arrive à un certain point de notre vie. Hein, c'est dès le premier pas, dès qu'on commence à réfléchir, déjà on commence à incarner notre lumière, déjà on commence à, entre guillemets, à se libérer de ces tendances à vouloir nous mettre dans des cases, à nous enfermer, à vouloir être, voilà, pas trop se faire remarquer, être petit, rentrer dans le moule, nous conformer. C'est vraiment dire, voilà, moi je suis ici sur Terre. C'est pas prendre toute la place pour être meilleur que les autres, c'est juste pour prendre ma place. Faire ce qui me plaît en fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et dès lors qu'on commence déjà à comprendre ça, à aller vers cela, on rayonne déjà. Donc il n'y a pas besoin d'atteindre un objectif. Parce que des fois, c'est ça aussi qui nous empêche d'explorer les choses, parce qu'on se dit, oh, de toute façon, je ne me vois pas aller jusqu'au bout, et donc on arrête tout. Mais ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout, c'est juste faire un pas, puis un autre, et on verra où ça nous mène. On verra où ça nous mène. Parce que même des fois, moi je vois par exemple dans mon expérience professionnelle, donc déjà au collège, j'avais dit non, moi ce n'est pas ce que je veux faire, donc je suis allée au lycée général, j'ai continué, j'ai fait des choix. Et puis, il y a un jour, j'ai dit, ben, finalement, dans ce que je fais, ça ne me plaît pas. Je suis très contente, Déborah. Apprendre l'astrologie, l'histoire de l'art, Sarah, oui, c'est très beau. C'est marrant parce qu'en plus, j'ai pensé à ça, l'histoire de l'art. Je pensais à peindre, mais des fois, quand on parle de peinture, par exemple, on se dit, tiens, il faut que je peigne. Mais des fois, on peut juste être inspiré par l'histoire, par... Et ça, c'est aussi une passion, c'est vraiment génial aussi. Et c'est pas forcément une action, voilà, on peut aussi juste apprendre et ça nous plaît et partager nos connaissances finalement. Et du coup, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que je disais juste à l'instant? Je parlais donc de la deuxième étape, du fait de s'autoriser et que la joie, voilà, c'était un chemin, que c'était pas une ligne d'arrivée. On peut être. Voilà, incarner sa lumière, c'est dès un premier pas. Et oui, je parlais de mon expérience personnelle et professionnelle notamment. Donc voilà, donc dès le collège, j'avais dit non, moi je ne veux pas faire ça. Donc je suis allée au lycée général, j'ai fait des choix aussi. Et puis un jour, j'ai dit bon, ben là finalement, je ne me sens pas bien dans cette voie. Et j'ai cherché une autre passion, ma passion, donc les animaux. Et donc j'ai repris mes études et puis je suis devenue assistante vétérinaire. Mais c'était vraiment ma passion et c'est toujours ma passion. J'adore les animaux, j'adore ça. Mais regardez aujourd'hui, ben, j'ai un blog sur le bonheur et ça me passionne aussi. Ça me fait vibrer aussi. Et donc il faut savoir que en fait on part d'un point. Parce que le jour où je suis devenue assistante vétérinaire, j'ai décidé de reprendre mes études. Ça a été aussi un des premiers grands pas que j'ai fait vers ma joie, vers ma lumière. Et ce pas-là, en fait, on aurait pu croire que ça allait m'emmener vraiment que dans la filière, par exemple, des animaux. Eh bien non, en fait, aujourd'hui, j'en suis là, mais grâce à ça aussi, parce que j'ai commencé à suivre une de mes joies, une de mes passions. Et aujourd'hui, j'en suis là. Et je ne sais pas où je serai encore dans quelques années. Si ça se trouve, je ne serai même plus là et je ferai autre chose. Donc, il faut pas s'enfermer aussi. Par exemple, moi, ce que j'adore dans ce que me dit Sarah, apprendre l'astrologie, histoire de l'art, c'est deux choses très différentes. Et c'est génial, il faut explorer ces deux choses et ne pas s'enfermer et rester ouvert, voilà. Parce qu'incarner sa lumière, c'est avant tout ne pas s'enfermer, ne pas se faire peur aussi, ne pas se mettre la pression. C'est rester léger et surtout rester curieux. Suivre sa joie, c'est ça, c'est dire, bon, ben, je ne sais pas où elle va me mener, mais en tout cas, je sais que quand je vais la suivre, ce sera un chemin léger, joyeux, heureux. Et donc, il n'y a pas besoin de se mettre la pression. Voilà, il faut rester curieux, tout simplement.
Oui, de mes études, Déborah, ça te fait virer parce que tu as peut-être vécu la même chose ou c'est ça. Et donc voilà, donc maintenant on arrive à la deuxième étape qui est s'autoriser parce que, ok, maintenant on commence à pointer du doigt ce qui nous fait vibrer, ce qui se passe, mais bien vite, voilà, on vit quand même dans un monde où il y a beaucoup de croyances et il y a beaucoup de peurs. Et ces peurs-là et ces croyances-là, avant d'être chez notre entourage, elles sont en nous. Et même si, même quand on parle de notre joie, on a tendance aussi à se mettre beaucoup de barrières à soi-même. Voilà, on va se dire, par exemple, Sarah qui parle d'astrologie, moi ça me parle beaucoup aussi, j'aime beaucoup ça. Et bien tout de suite, on va se mettre des barrières, oui, mais qui je suis pour faire de l'astrologie, pour même m'imaginer astrologue, j'ai aucune légitimité. Et puis après, on va partir encore plus loin, on va se dire, mais de toute façon, je vais me mettre dans une insécurité financière. Enfin, plein de choses, on va partir vraiment très loin en se mettant des enjeux. Et puis il y a plein de croyances, plein de peurs qui vont arriver. Et puis il y a peut-être aussi le jugement de notre entourage. On va se dire, oh là là, mais qu'on va penser de moi? Quand ils vont comprendre que ma passion c'est l'astrologie, que je m'intéresse à l'art, est-ce qu'on ne va pas me juger ou tout ça? Et donc c'est pour ça que la deuxième étape, c'est très important de s'autoriser. Et là encore, on ne parle pas d'enjeu, hein, mais vraiment, juste le béaba, c'est de s'autoriser. J'ai le droit d'explorer ce qui me fait vibrer. J'ai le droit, ouais, d'aller voir à gauche, d'aller voir à droite, de même d'apprendre quelque chose et de même pas en vouloir faire mon métier, par exemple. D'apprendre quelque chose même pour 3 mois, même pour rien en faire, en fait, juste parce que ça me fait plaisir. Et je crois qu'incarner sa lumière, c'est ça, c'est au quotidien, être capable de s'autoriser à explorer aussi ce qui nous fait vibrer, sans enjeu, sans jugement, sans s'enfermer et sans s'interdire. Voilà. Donc s'autoriser, un des meilleurs exercices pour moi, c'est se parler comme à un ami. Quand on parle d'incarner sa lumière et qu'on imagine qu'un ami à nous, qu'on aime énormément, nous parle de ça, écoute, moi, Tiffany, là en ce moment, je ressens un fort besoin de faire ce qui me fait vibrer, de faire ce que j'aime dans la vie. Et puis voilà, j'aime l'astrologie. Donc voilà, j'ai décidé de me former à ça. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Qu'est-ce que je vais dire à cet ami? Je ne vais pas dire n'importe quoi. De toute façon, tu mérites même pas d'explorer ce que tu t'aimes faire. Fais comme tout le monde. Enfin, on ne va pas dire ça. Ça, c'est horrible. On ne se voit pas dire ça à un ami. À un ami, on va lui dire, mais vas-y, fais ce que tu aimes. Tu as raison. Moi, je te soutiens. Faire ce qu'on aime. Enfin, si on n'est pas là pour ça, on est là pour quoi, en fait? C'est quand même complètement fou cette histoire, mais on est incapable de se dire à soi-même. Par contre, imaginez que c'est un ami à nous. Là, on va remettre de l'amour, remettre de la bienveillance, remettre de la joie au premier plan. Les peurs, les croyances, elles vont se dissiper parce qu'on veut toujours le meilleur pour les gens qu'on aime. Mais on oublie qu'on s'aime en fait. Ça, on l'oublie trop souvent et on se parle très mal. Et puis aussi voilà, comme je disais, moi par exemple, ce traumatisme quand j'étais au collège, que ma mère débarque dans ma chambre et elle me dit t'as pas le niveau, t'as qu'à faire un CAP de comptabilité, alors que j'en avais même jamais parlé, c'était pas du tout mon rêve à l'époque. Ben, c'est des choses qui restent ancrées ici et que peut-être quand voilà, j'ai voulu aller dans les animaux, peut-être que ça aurait pu ressortir en me disant ben non, mais moi je suis là pour faire de la comptabilité par exemple. Donc on ne se rend pas compte de toutes ces petites peurs, petites croyances, petits jugements qui restent encore dans notre tête. Et donc c'est pour ça que c'est important qu'on incarne notre lumière, de partir de ce qu'on aime, mais aussi de prendre le temps de s'autoriser un petit peu tous les jours, de se parler comme un ami. Voilà, là j'ai, par exemple, on se dit, voilà, j'aime quand même bien le jardinage, j'aimerais bien aller plus loin. Et de tout de suite de faire un pas de côté, de se dire, attends. Là, ce que je suis en train de me raconter, imagine c'est quelqu'un que j'adore qui me raconte ça. Dans quelle posture je serai? Qu'est-ce que je lui dirai pour le motiver, pour le rassurer aussi dans sa démarche? Parce que aujourd'hui, faire ce qui nous fait vibrer, c'est pas vraiment évident. Parce qu'on n'est pas forcément invité à ça, en fait. Alors, il y a de plus en plus dans le développement personnel, de plus en plus de gens qui en parlent, qui accompagnent les gens. C'est ce que je fais aussi depuis 4 ans. Mais c'est pas évident au quotidien, dans le monde du travail ou même à la maison. C'est pas, il y a beaucoup de gens et nous-mêmes, on se met beaucoup de bâtons dans les roues parce qu'on se dit, ben non, mais la vie c'est sérieux. Est-ce que j'ai un avenir dans l'astrologie? Et tout de suite, on se ferme les portes.
Et on ne devrait pas, on devrait juste essayer. Qu'est-ce que ça fait en fait? Si on n'essaye pas, ce serait trop dommage. Est-ce que vraiment on est ici pour faire les choses sérieusement finalement? Je faisais une petite bêtise, c'est bon, pardon. Isa, tu dis oui, une chose très vraie, il faut vivre pour soi avant d'aller vers les autres. Et ça, c'est très important, et notamment aussi pour incarner sa lumière. Parce qu'on a tendance à dire aussi incarner sa lumière, c'est se mettre au service du monde, se mettre au service des autres. Et c'est totalement vrai, parce qu'une fois qu'on fait ce qu'on aime, eh bien, comment dire, on rayonne. Et il y a une espèce de. Ce rayonnement, en fait, va attirer le regard, et on va pouvoir montrer aussi un petit peu l'exemple. Et puis souvent, quand on aime quelque chose, on a envie de l'enseigner. On a envie de l'incarner pleinement et de l'enseigner, d'aider les autres aussi. Ces personnes qui veulent faire la même chose que nous, qui ont les mêmes difficultés que nous, mais qui n'ont pas encore réussi à les traverser, on a envie de les aider pour qu'ils aillent plus vite, plus dans la douceur, plus dans la bienveillance, pour qu'ils arrivent au même niveau que nous, et même au-delà. Et avant tout, pourtant, quand on parle d'incarner sa lumière, il ne faut pas penser aux autres. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire. Comment je peux aider les autres? En fait, ce n'est pas égoïste, mais dans un sens, ça peut l'être aussi. Dans le sens où incarner sa lumière, c'est avant tout se faire plaisir. C'est-à-dire moi, par exemple, quand mon travail, même ce Facebook Live, avant tout, je me fais plaisir. J'ai envie d'échanger avec vous, j'ai envie de partager avec vous des choses, mais je pense à vous, évidemment. J'ai vraiment envie de vous aider, ça me fait vibrer. Mais ce qui me fait vibrer encore plus, c'est que ça me fait plaisir. Je suis trop bien en fait ici. Après, quand je vais arrêter ce Facebook-là et je vais danser dans mon salon, je vais être trop contente. Et je crois que c'est comme ça avant tout qu'on aide les gens. C'est d'abord en s'aidant soi-même et en vivant pour nous. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Isa. Il faut vivre pour soi et c'est en vivant pour nous-mêmes qu'on aide les autres en fait. Et ça, c'est magique. C'est fou, hein, mais c'est magique et pourtant, c'est pas ce qu'on nous apprend depuis toujours. On dit non, pense aux autres, pense aux autres. Mais en fait, quand on pense aux autres, on a tendance à s'enfermer ou à faire les choses, à se forcer, à pas être nous-mêmes. Et du coup, ça ne marche pas en fait de se forcer. Hein, d'ailleurs, dans mon métier, donc il y a plein de stratégies hein, de vendre des choses comme ça. Et moi, en 4 ans, j'ai bien compris que ce n'est pas les stratégies qui fonctionnent, en fait. C'est vraiment, c'est quand ce que quand je fais ce que j'aime, quand mon intention est vraiment de vivre et de joie, mais personnellement, ce n'est pas de me dire, ah, il faut que j'aide un maximum de personnes, donc quel mot mettre, quel mot-clé, Non, ce n'est pas ça. C'est d'abord, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce qui me met en joie? Et c'est comme ça que ça marche en fait. C'est pas de se plier en quatre pour les autres. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai vu c'est un spectacle de Blanche Gardin qui dit une phrase extraordinaire. Et elle dit, je ne suis pas là pour vous satisfaire. Moi, je suis là parce que j'ai envie de parler. Et elle dit, je ne suis pas là pour vous satisfaire. C'est quand même. Et donc moi, ma première réaction, c'était, oh, quand même. Mais en fait, c'est tellement vrai. C'est incroyable. Donc. Merci Isa d'avoir dit ça parce que c'est vraiment très important. Quand on veut incarner sa lumière, il faut avant tout chercher à se faire plaisir. Et ça n'a rien d'égoïste, au contraire, c'est si on était tous là, si on faisait tous, si on avait tous cet objectif en tête de suivre sa joie, le monde serait tellement plus beau, tellement plus heureux, plus léger. On arrêterait de s'inquiéter des uns et des autres parce que chacun s'occuperait de sa propre joie en fait. Et on arrêterait de vouloir de satisfaire les besoins des autres parce que les autres satisferaient leurs propres besoins. Donc ce serait, on soufflerait déjà. Parce que moi, dans mon travail, c'est si je devais prendre sur moi le bonheur de tous, ce serait très difficile. Et en fait, je me rends compte que c'est en prenant mon bonheur en main à moi, en parlant et en faisant ce que j'aime, de ce que j'aime, ça change tout. Et j'aide de mieux en mieux les gens, ça c'est sûr. Donc voilà, donc ça c'était la deuxième étape, s'autoriser à faire ce qu'on aime et à vivre pour soi. Ça c'est très bien. Merci beaucoup Isa pour cette magnifique phrase. Et puis la troisième étape pour incarner sa lumière, eh bien c'est tout simplement c'est se lancer. Alors se lancer c'est un vaste sujet. Et là encore, il y a quelque chose que je voulais dire, merci beaucoup. C'est un conseil que j'ai entendu en plus ce matin. C'est
dans une vidéo d'Arnaud Rioux. Je ne sais pas si vous connaissez Arnaud Rioux, qui a une chaîne YouTube qui est géniale. Et il a réussi à mettre des mots sur un conseil que j'adore vraiment. Il parle de « on tire d'abord et on vise ensuite ». Et c'est exactement ça, quand on incarne sa lumière, on pose une action qui nous met en joie et après on voit ce qui se passe. On dirige le tir. Et ça, c'est exactement ce qui m'est arrivé, par exemple, quand j'ai décidé d'incarner ma lumière dans mon travail. J'ai fait des choix, j'ai posé des actions. Voilà, par exemple, je suis partie des animaux, de ma passion des animaux, et aujourd'hui, j'en arrive à parler d'incarner sa lumière dans un Facebook Live. C'est quand même fou. Mais parce que j'ai posé des actions et aujourd'hui, j'en suis là. En fait, j'ai même pas visé cet instant-là présent. Je ne l'ai pas visé. J'ai posé des actions et c'est tout. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire pour incarner votre lumière, c'est ne cherchez pas à viser, ne cherchez pas à construire un projet à 5, 10, 15 ans. C'est bien d'avoir une direction, mais c'est plus en source d'inspiration. Il ne faut pas s'enfermer. Par exemple, j'aime l'astrologie. Je suis passionnée d'astrologie. En ce moment, c'est quelque chose, c'est un sujet que j'adore. Je lis plein de trucs, j'adore parler de ça. Mais pourquoi tout de suite se voir en tant que, par exemple, coach astrologue, par exemple? Parce que là, on est en train de se mettre la pression. Sauf si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Vraiment, là, on est vraiment passionné, on est vraiment motivé. Mais souvent, quand on se lance, et ce qui nous empêche de nous lancer, c'est qu'on se met trop la pression. Et quand l'enjeu est trop fort, il est trop impressionnant, et il nous étouffe, et il y a plein de peurs qui remontent en nous. Donc, dans ces cas-là, le conseil, vraiment, c'est pars de ce que tu as envie de faire, pars de ce qui te fait vibrer, ou quelque chose de très, très simple. Commence. Fais, mais rien, par exemple, jardinage, voilà. En ce moment, t'aimes le jardinage, tu t'imagines, bon, tu commences peut-être à vouloir avoir ton propre jardin, je sais pas, de plantes médicinales, des choses comme ça. Mais, bon, en toi, ça fait peur tout ça, tu te dis, bon, en même temps, je suis qui et puis, bon, bah, tu commences à t'autoriser, bon, bah, en même temps, je vais pas être quelqu'un de particulier pour faire mon jardin et pour aimer les plantes, donc tu t'autorises. Mais maintenant, il faut se lancer. Et là, c'est encore autre chose. Imaginons, en plus, tu n'y connais rien. Donc, comment ça va se passer? Bah, peut-être que tu peux juste déjà commencer dans ton jardin à planter une plante, déjà. Juste commencer, ouvrir un livre, peut-être t'inscrire à un cursus. Mais vraiment, ne te vois pas tout de suite tout en haut si ça fait peur. Voilà, se lancer, c'est juste, tu poses une action qui te met en joie. Alors, attention aussi, ce n'est pas parce qu'on fait une petite action que ça ne fait pas peur. Moi, par exemple, donc voilà, ça fait quelques semaines que je me posais des questions sur mon travail, pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de vibrer plus. Et puis, je me suis dit, j'ai envie de parler plus avec les gens, être plus proche, répondre encore mieux aux questions, accompagner davantage. Et je me suis dit, bon, j'aurais pu tout de suite, par exemple, commencer des accompagnements. J'ai dit, bon... Je sais pas trop, moi pour le moment je suis que par mail, passer directement à un accompagnement personnalisé par exemple sur Zoom ou sur Skype, je me suis dit bon, c'est grand quand même. Donc j'ai dit, bah, tiens, je fais un Facebook Live. Et même si c'était un Facebook Live, j'ai eu peur, hein, ça c'est sûr, mais ça me faisait moins peur que de viser trop haut. Et je sais que je finirai par faire ces accompagnements parce que c'est quelque chose qui vibre très fort en moi. Mais il faut aussi se donner le temps, il faut se lancer et puis apprendre, prendre des petits risques et puis se donner le temps d'évoluer et de grandir tout simplement. Hein. Il ne faut pas tout de suite se voir là-haut, ça fait trop trop peur, ça c'est normal. Adamou, il y aura le replay, tu pourras reprendre le début. La version écrite, non, ça est... Trop de mots sortent de ma bouche à la seconde pour avoir une version écrite, je suis désolée, mais il y aura le replay. Donc Isab, tout à fait, ce n'est pas la destination qui importe, mais tout le cheminement pour y arriver. Et il ne faut pas croire, hein, souvent on se dit, oui, mais moi, par exemple, mon rêve, c'est de devenir un astrologue reconnu, par exemple. Mais il ne faut pas croire que de commencer de zéro, ne serait-ce que de commencer à apprendre, par exemple, les signes du zodiaque, ça ne va pas nous mettre en joie, au contraire. Ok, on va rayonner de toute notre lumière, on va être très fiers de nous quand on arrivera à ce qu'on a envie, mais il ne faut pas croire que tous les petits pas qui vont nous emmener jusque-là,
eh bien, ils vont nous rendre super heureux, ils vont nous rendre super fiers et on va vibrer de joie en fait. Il faut pas croire qu'il faut être tout en haut pour être heureux en fait. Non, c'est dès le premier pas. Ah ouais, je suis contente, Déborah. Mais j'espère d'ailleurs que le premier exercice va t'aider, voilà, à aller un peu plus loin pour découvrir ce qui te fait vibrer. Voilà, le but, c'est la. En ce moment, vraiment, ce mot, c'est le mot que je préfère, c'est la curiosité. Être curieux. Curieux de tout, de soi, de trouver ce qui nous fait vibrer. Il n'y a pas de pression, en fait. Et ça, c'est pareil, c'est dans notre société, il faut tout de suite nous mettre dans des cases. Quand on parle même de passion, quand on parle de vivre de sa passion, tout de suite, en fait, on met en avant dans notre société des gens qui ont réussi, qui connaissent un succès incroyable. On les met en avant, on met même des gens en avant qui ont tout fait par eux-mêmes, les autodidactes, les gens comme ça. Et ça nous met énormément la pression. Mais en fait, on ne revient pas en arrière. Ces gens-là, ils ne sont pas arrivés ici en une journée. Hein, il y en a, ça fait 10 ans qu'ils font ça. 10 ans qu'ils mettent en place des petits pas et ils sont heureux. Ils ne sont pas malheureux, ils ne sont pas que heureux depuis maintenant. Ils sont heureux depuis le départ. Et nous, c'est pareil, on n'a pas besoin d'être au sommet, pas besoin de. En fait, incarner sa lumière, c'est pas rayonner sur les gens, c'est pas le succès, c'est pas la richesse. Incarner sa lumière, c'est donner vie à ce qui nous fait vibrer. Mais personnellement, comme disait Isa, c'est vivre pour soi. C'est pas ce que les gens pensent de nous, ce qui se passe quand ils nous voient, qui nous admirent, qui. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça se passe en nous, au niveau de notre joie à nous. Et finalement, c'est très simple d'incarner cette lumière, en fait. Alors, il y a des croyances, il y a des peurs qui nous mettent des bâtons dans les roues, mais c'est très simple. Très, très simple. Et ça commence par vraiment des tout petits pas, faits dans la curiosité, faits dans la légèreté. Voilà. Donc, je ne sais pas si tout ça résonne, si vous avez des. Si vous avez des questions, parce que voilà, les 3 étapes sont terminées, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Et puis après les questions, j'aurai 2 petits livres à vous conseiller pour incarner sa lumière. Donc voilà. Donc si jamais pas de questions, je passe aux 2 petits livres. Merci Audrey de proposer. À Sabrina de regarder, c'est trop mignon. Ça me touche beaucoup. Ah bah avec plaisir, avec joie, Déborah. Ça me fait très plaisir d'être là. En fait, à chaque fois, c'est horrible parce que je voudrais faire le live dès 8h. Parce que quand on est jeudi, bah après, du coup, je compte les heures. Je dis, ah là, dans 2 heures, dans 1 heure. Et j'ai trop envie, en fait. Et c'est horrible d'attendre. Bonjour Virginie, se laisser porter par le flot de la rivière dont la source est la joie du cœur. C'est magnifique ce que tu écris et c'est totalement ça. Je suis totalement d'accord. C'est se laisser porter, voilà, par la joie, avec curiosité, avec légèreté. En fait, oui, c'est ça, se laisser porter. On n'est pas ici pour passer commande, on n'est pas ici pour s'enfermer, pour se justifier, on est là pour explorer, oui, pour explorer, pour faire des trucs, voilà, on fait des trucs parce que ça nous fait plaisir et voilà, tout simplement. Ah ben super, Audrey, je suis très contente, parfait. Merci Isa, merci beaucoup d'avoir été là, ça m'a fait très très plaisir que tu sois là. Bon, du coup, je vais passer aux 2 petits livres. Donc le premier livre qui résonne beaucoup quand je parle d'incarner sa lumière. Ah merci Hélène, c'est très gentil, ça me fait plaisir, je suis contente. Et donc le premier livre. Pour incarner sa lumière, c'est ta deuxième vie, commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Donc c'est un livre qu'on ne présente plus, c'est vraiment un roman de développement personnel par excellence. Ah merci Lauriane. Oui, je comprends quand tu dis on perd parfois le sens de l'important. Tout à fait, je suis totalement d'accord, oui. Mais on tombe dans une course qui est rempli de croyances, rempli de peur, et on s'enferme dans des choses alors que c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Voilà, c'est très 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 simple. Bah, je suis très contente, merci Sarah. Oui, Émilie. Alors, oui, des personnes trop. Oui, on doute de suivre notre lumière quand on est entouré de personnes trop cartésiennes. On doute, oui. Alors, quand tu dis on doute, est-ce que c'est pas une question de est-ce que je mérite ça?
Et est-ce que ces personnes trop cartésiennes, c'est plus qu'elles disent oh ben déjà on a un travail, c'est bien, on devrait se contenter de ça, déjà c'est bien, on a de la chance. Est-ce que c'est ça qui se passe? Oui, Audrey, oh ben ce livre il est extraordinaire. C'est THE livre. J'attends de voir s'il y répond, et puis sinon je continue sur le livre. Ah, merci Virginie. Je suis très contente. Léger, amusant. Alors ça, c'est vraiment des mots qui me parlent. Je suis très contente parce que c'est exactement mon intention quand je fais un Facebook Live. Parce que des fois, je me dis oui, je vais dire ça, je vais dire ça. Et à chaque fois, je me dis, attends Tiffany, le but de Facebook Live, c'était de parler avec des gens, c'était de rester spontané, léger, de s'amuser. Donc je suis très contente que ça se ressente parce que c'est exactement mon intention. Oui, Audrey. Bah, c'est très beau ta réponse. De se mettre en joie, c'est ça. Bon, du coup, je vais continuer sur mon livre pour incarner sa lumière. Donc, ce roman-là, roman de développement personnel, parce qu'il est quand même rempli d'outils très, très concrets et pratiques. Et moi, ce qui résonne dans ce livre, ça résonne parce que on a affaire à une femme qui est complètement, qui s'ennuie dans sa vie, dans tous les rôles de sa vie. Dans son mariage, en tant que maman, dans son travail, personnellement, il n'y a rien qui vibre. Elle est morte de l'intérieur et il n'y a plus rien qui se passe, il n'y a plus rien vraiment qui l'intéresse. Et dans ce livre-là, on comprend, et c'est ça que j'adore dans ce livre, c'est que c'est pas parce qu'on ne vibre pas en ce moment qu'on a tout à balayer, qu'on a tout à quitter, tout à reconstruire, tout à jeter. Et dans ce livre-là, en fait, cette femme-là, par petites touches, légères, joyeuses, bienveillantes envers elle-même et envers aussi les gens qui l'entourent, elle va réussir à transformer son quotidien. Et je trouve ça extraordinaire parce que des fois aussi, quand on s'ennuie, on a tendance à rejeter un peu la faute sur les autres et en fait, on gâche tout, on gâche nos relations et c'est trop dommage. Et prendre en main son bonheur, incarner sa lumière, c'est ça, c'est aussi par petites touches par rapport à soi-même, pas par rapport aux autres. On n'est pas là pour changer quelque chose chez les autres, mais chez nous-mêmes. Et elle, donc elle est en couple, elle est maman, et j'aime bien aussi cet exemple, c'est qu'elle dit, bah, tiens, j'ai besoin de repeindre ce salon. Et elle est extrêmement surprise parce que son mari et son fils, eh bien, ils vont l'aider. Et ça, c'est un très beau message aussi parce que des fois, quand on veut incarner notre lumière, qu'on pense à ce qui nous met en joie, on a des fois tendance à un petit peu cacher ça. Et on serait agréablement surprise de partager autour de nous ce qui nous fait vibrer. Et on pourrait avoir de très très belles conversations aussi avec les gens qui nous entourent. Parce que voilà, on dit des fois que c'est ce que disait Émilie, qu'on est entouré de gens très cartésiens, mais est-ce que ce n'est pas aussi des postures qui se donnent? Est-ce que si on ne tendait pas la perche, est-ce qu'il ne se passerait pas quelque chose? Donc voilà, c'est des petites pistes aussi à voir. Est-ce que dans mon entourage, il n'y a pas des gens vers qui je pourrais aller pour discuter de choses un petit peu plus joyeuses, moins cartésiennes, moins négatives aussi, parce qu'au quotidien, on a tendance à être amené à parler de choses tristes, enfin, c'est-à-dire qu'on parle plus facilement du mauvais temps et des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Ça aussi, c'est pareil, incarner sa lumière, c'est s'autoriser aussi à parler des choses qui nous font vibrer. Ça, c'est s'autoriser. Ça, parce que parler de ce qui nous rend heureux, ça nous rend aussi un peu vulnérable aussi, parce que c'est des choses qui sont intimes. Alors que quand on parle de nos problèmes, c'est pas vraiment intime. Enfin, parler du mauvais temps, panne de la voiture, c'est des choses qui vont pas en profondeur et c'est vraiment dommage. Incarner sa lumière, c'est aussi s'autoriser à aller un peu plus en profondeur et à accepter d'être un peu plus vulnérable. Voilà. Et c'est aussi comme ça aussi qu'on peut partager aussi de belles choses avec les gens qui nous entourent. Donc voilà, donc ce premier livre, c'est tout ça. C'est pour moi un beau cheminement aussi pour incarner sa lumière. C'est comment, même si ma vie aujourd'hui ne me fait pas vibrer, comment je peux l'embellir dans la joie, dans la légèreté, et non pas dans le combat, le rejet, la destruction aussi. Donc très bon livre. Le deuxième livre, c'est L'irrésistible histoire du café Myrtille, c'est ça, de Marie Sivert.
Sims, je ne sais pas comment on dit. Et donc là, c'est plus un roman feel-good, hein. C'est beaucoup moins développement personnel que celui de Raphaël Giordano. Mais ce qui a résonné dans ce livre pour moi, pour incarner sa lumière, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui va s'autoriser à changer de chemin. Et là aussi, ça va se faire dans la douceur, la légèreté. Mais c'est quelqu'un qui va comprendre après 10 ans dans un même travail, 10 ans dans une même vie personnelle. Et elle va voir ses goûts changer du jour au lendemain. Elle va découvrir des passions et elle va rencontrer d'autres personnes. Et là, elle est face à un choix. Est-ce que je suis ma joie? Est-ce que je m'autorise à me réinventer? Ou est-ce que je continue à faire ce que je fais et ok, je prends pas de risque, mais par contre, ça vibre pas vraiment. Et c'est vraiment un super livre. Et moi, ce que j'adorais dans ce livre, ce qui a résonné, c'est qu'à un moment donné, bah, c'est son fiancé qui est en train de se rendre compte des changements qui se passent en elle. Et il n'arrête pas de lui dire, ah, mais t'es bizarre, t'as changé. Et elle va aller au-delà de ça, de cette culpabilisation. Et elle va s'autoriser à changer. Et c'est un message, je trouve, merveilleux parce que s'incarner aussi, enfin incarner sa lumière, c'est s'autoriser aussi à se réinventer. Hein, c'est comme ce que je vous disais, j'ai beaucoup fait de reconversion professionnelle dans ma vie, beaucoup de changements personnels aussi. Et ouais, c'est à chaque fois de s'autoriser à se réinventer. Et c'est pareil, même si on. Voilà, moi j'ai travaillé avec les animaux, c'était vraiment ma passion et je me suis quand même autorisée à me réinventer. C'est des choses aussi qu'il faut aussi se poser comme question, c'est et si je m'autorise à me réinventer, où est-ce que ma joie me mènerait? Voilà, c'est des petites questions aussi qui nous permettent aussi d'aller un petit peu plus loin et d'aller contacter notre joie et de la nourrir en fait, et puis de la suivre du coup. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ces deux petits livres aussi vous amuseront. Je vois que Virginie, tu as totalement raison d'être fière, puis la vie des autres, nickel. Je suis totalement d'accord, oui. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train aussi d'expérimenter la notion de fierté. Ah, coucou, Marion, tu as réussi à arriver malgré le travail. Je suis contente que tu sois là. Mais je suis très contente, Émilie. Et puis, merci beaucoup, Virginie, aussi pour ton commentaire. Je suis totalement d'accord aussi. Oser s'autoriser à être fière de soi. Et faut pas confondre la fierté avec l'orgueil, hein. C'est totalement différent. Et être fier, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si on reprend l'exercice de la deuxième étape, qui était se parler comme un ami, on se rendra compte qu'à un ami, on lui dira sois fier de toi. Et que ça n'a rien à voir avec l'orgueil, ça n'a rien à voir même avec les autres. C'est vraiment une affaire avec envers soi-même. Je suis fière de moi par rapport à moi-même. Et c'est même pas par rapport au jugement des autres. C'est pas parce qu'on m'a dit fais des compliments que je suis fière de moi. C'est par rapport à moi, mon chemin parcouru, par rapport à ce que je vibre, par rapport à ce que je m'autorise aussi. Donc c'est très bien aussi cette notion. Ouais. Je suis super contente. Avec plaisir, Virginie. C'est des livres. Je pense que je vais faire ça à chaque fois. De toute façon, c'est ce que je fais aussi dans tous mes articles. Il y a toujours 2 livres à la fin. Je lis de toute façon au quotidien. Donc les livres. Il y a toujours dans les. En fait, enfin, je ne m'arrêterai jamais de lire. Parce qu'il y a toujours des phrases qui me permettent d'aller plus loin, de soit aller un peu plus haut, soit d'aller plus en profondeur. Et les livres sont un très très bon support pour être heureux, pour s'incarner. C'est vraiment top. Enfin, moi, je m'en passerai jamais, hein, ça c'est sûr. Il y a toujours une phrase qui résonne et qui nous permet d'aller plus loin. Oui, Marion, oui, tu arrives à la fin. Je ne sais pas l'heure qu'il est. Je pense que j'ai été très bavarde. Et je pense que voilà, il y avait plein de choses à dire. Je suis très très contente. Puis les commentaires aussi, merci beaucoup. Ça me permet de rebondir, de nourrir ma pensée. Et puis voilà, je suis là pour échanger avec vous. Donc chaque commentaire, c'est magique. Je suis super contente. Donc voilà, j'ai rien à ajouter. C'est magique. Merci beaucoup. Du coup, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup et merci Audrey, merci Émilie, merci Déborah, merci Marion, merci Isa, merci, il y avait Hélène aussi, si je ne dis pas bêtise, j'ai dit Virginie, j'espère que j'en oublie pas trop. Merci beaucoup d'avoir été là, merci d'avoir rebondi aussi.
de m'avoir nourrie de vos commentaires, de votre enthousiasme. Merci, 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 merci. Et puis, je vous dis à dans 15 jours. Je n'ai pas encore réfléchi sur le sujet. Je vous annoncerai cela dans le mail du lundi matin ou en publication sur Facebook. Je vais réfléchir à tout ça. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, bonne soirée. Et puis, à très, très vite avec joie. Voilà. Plein de bisous à vous. Salut !